Regardez cette voûte du Grand Palais à Paris. Elle symbolise peut-être ce qui s'est fait de mieux, le mariage entre la technologie et l'art. La technologie, bien entendu, puisque pour l'exposition universelle, on a fait une construction que l'on voulait légère, le summum de ce que l'on savait faire. Et à l'époque, ce que l'on savait utiliser, c'était plus la pierre, mais c'était la fonte, parce qu'on ne savait pas encore laminer le fer. Et c'est le mariage entre des colonnes en fonte, du fer rivé, et puis une voûte lumineuse avec du verre, une véritable cathédrale de lumière, mais également l'art par l'élégance, regardez la beauté, et dire que ce monument avait été fait jusque pour l'exposition universelle, pour montrer le savoir-faire technologique de la France face à l'Angleterre à l'époque. Et on devait la démolir, comme on devait d'ailleurs démolir la Tour Eiffel. Fort heureusement, ce petit palais, comme le Grand Palais, a été sauvé de destruction. Et puis vous savez ce qu'il en est advenu. Comme il a été construit dans un ancien lit de la Seine, eh bien, il commençait à s'affaisser et à un moment, eh bien, on a pensé à le détruire. Et fort heureusement, il a été sauvé de la démolition et surtout, regardez, magnifiquement restauré. Et voilà pourquoi la SNCF, pour fêter les 70 ans de son existence, a choisi ce lieu mythique qui allie le mariage entre la technique et l'art. Et oui, le chemin de fer, c'est un subtil mariage entre la technique et l'art. Voilà pourquoi nous avons le coup de cœur pour le chemin de fer. Voilà également pourquoi vous êtes si nombreux à parcourir cette collection de DVD. Donc, on a célébré ici les 70 ans de la SNCF. Et plutôt que de faire une exposition à caractère technologique, eh bien, Anne-Marie Hydrac, la présidente de la SNCF, avec Guillaume Pépi, ont fait le choix de montrer ce subtil mariage entre l'art et la technique. L'art avec le chemin de fer, c'est par exemple la photographie, magnifique exposition. Le chemin de fer et l'art, c'est également la littérature, les écrits. Je ne parle pas du crime de l'Orient Express, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'écrits et de dessins, et notamment les dessins de Piem sur le chemin de fer, avec beaucoup d'humour. C'est également le cinéma, avec de magnifiques extraits. Ah, je crois que c'est le moment des adieux déchirants. Adieu, Antoine. Messieurs, dames, à quelle heure dois-je vous réveiller? Une heure avant l'arrivée. Oh non, c'est trop tôt. Ah, une heure avant l'arrivée. C'est également, allez, l'art et le chemin de fer, eh bien la mode. Les tenues avec Christian Lacroix, les casquettes qui sont ici exposées. Mais également, c'est la technique. Eh oui. Et cette technique, elle peut être élégante. Tenez, regardez un exemple ici. Vous voyez? Est exposée cette 150P, machine d'après la guerre pour les trains de marchandises, capable de remorquer des trains lourds de minerais de 2000 tonnes. Et regardez, son élégance, elle inspire la force, la puissance. Vous savez qu'on aime les défis, on aime les exploits à SNCF, et on a souhaité effectivement faire rentrer une locomotive à vapeur au Grand Palais. Comme chacun sait, il n'y a pas de rail ici pour amener les locomotives, donc on a pris la solution, je dirais, du ferroutage, mais à l'envers. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a mis une locomotive sur une remorque routière. Cette locomotive pèse 96 tonnes. Avec le camion, on est à environ 110-120 tonnes. On ne peut pas passer n'importe où. Autre exploit aussi, il a fallu rentrer dans le Grand Palais. Donc on a une petite porte dérobée sur le côté avec tout un tas de manœuvres. Mais les manœuvres sont facilitées puisque le camion, qui est équipé aussi de rails, vous l'avez vu, puisque la locomotive est sur des rails, ce camion a toutes les roues sur pneus qui sont articulées et qui permettent évidemment de pouvoir manœuvrer dans tous les sens. On a mis la locomotive à angle droit, on est passé entre des portes étroites et on est arrivé ici. C'est le summum, c'est magnifique. La 150P13 est dans Paris au Grand Palais. Autre exemple de l'élégance de la technique, regardez, symbolisée par cette magnifique BB 9004, vous vous rendez compte la rupture que ça a été, d'abord sur le plan technologique. On passait des 2D2 lourdes aux BB légères et aussi puissantes, mais également, c'était les formes arrondies. Fini les boîtes à chaussures, comme on les appelait, les caisses à savon, pour des formes arrondies. Ça, c'était une rupture. Et puis, aussi, il y a eu ce qu'on appelait les nez cassés, les machines dessinées par Paul Arzins. Donc, vous voyez, dans le chemin de fer, il y a également beaucoup d'art et de finesse. Et ici, on a reçu 3000 invités. 3000 invités qui, eux aussi, ont fait part de leur coup de cœur. Écoutez-les.
On a choisi de faire une exposition d'art populaire, c'est-à-dire quelque chose sur les émotions du train, des gares, les rencontres, les aventures. J'adore le train pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on est toujours rattaché à son enfance et à son adolescence, et mes premiers voyages, grands voyages, pour descendre dans le Midi, j'ai eu l'honneur de connaître le train bleu, les wagons restaurants avec les petits abat-jour. Vous savez, quand on fait des tournées de théâtre, on est obligé d'aimer les trains aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps dans les trains, voilà. Donc j'aime beaucoup les trains. Moi qui suis fils et petit-fils de cheminot, je suis heureux de voir que cette belle et vieille dame est restée une jeune dame, parce qu'on voit ici les gares d'antan, la gare du Front Popu avec les vélos avant même le Vélib, et puis l'autre motrice transilienne, les tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que le chemin de fer a vécu et s'est développé en même temps que la civilisation moderne. Le train, c'est une possibilité de rêver, quoi. Moi, j'adore. Je fais rien, je sais que j'en ai pour 3h30, et le paysage, c'est comme un film, et voilà, les idées viennent. Et oui, nous aimons prendre le train. Et nous prenons le train ensemble, voilà, tout le temps, et pour descendre dans le sud. À grande vitesse. Pour descendre dans le sud aussi, oui, vous êtes d'Aix-en-Provence. Voilà, et direct, la ligne Paris, Aix-en-Provence, direct, 3 heures. Mais l'art et le train ici au Grand Palais, c'est également une ouverture vers le futur. Et oui, il y a le design des gares, il y a le design à l'intérieur des voitures pour le confort des voyageurs. Alors on vous a présenté un certain nombre de maquettes, allez, histoire de vous faire rêver. Le bruit que vous entendez vous explique, il y a beaucoup de brouhaha, parce que, eh bien, on est à une heure de l'inauguration et de l'ouverture, et qui vous explique que dans ce tohu-bohu général, eh bien, on s'affaire pour être prêt à l'heure, à 18h. Donc, très rapidement, il y a par exemple, voilà comment on fait des maquettes pour imaginer le futur. Voilà comment, ben, par exemple, on imagine la direction de la recherche de la SNCF, le futur train pour matériel régional. Vous voyez, une petite idée du confort. On rêve, parce que malheureusement, la réalité n'est pas souvent là. Attendez, venez là, Bruno. Regardez. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez ? Les passagers avaient beaucoup de place ici, et puis, vous voyez, ils prenaient la place du conducteur. Comme par exemple dans l'ICE allemand. Regardez, à l'intérieur, au lieu d'avoir une voiture restaurant, qu'on regrette beaucoup, eh bien pourquoi pas, on s'est dit, ben, les gens pourront faire leurs courses avec un supermarché. C'est du rêve, mais il en faut, il en faut. Tenez, venez voir un peu le futur. C'est intéressant. Regardez. Voilà comment on pouvait imaginer le high-speed train européen, le futur train à haute vitesse européen, si tant est que l'Europe puisse se mettre d'accord. Mais regardez les lignes, et puis ça là c'est intéressant. Ça, voilà ce qu'on recherchait avec Alstom et la SNCF pour économiser l'énergie et diminuer le bruit. Regardez ce profil aérodynamique sur MX100, 100 comme 100 mètres au seconde. Et puis le futur, mais c'était déjà le présent, on le retrouve bien entendu avec la très très belle maquette. On coupe l'écorché d'Alain Prat sur la rame du record du monde que vous verrez d'ailleurs bientôt dans votre collection de DVD. Et enfin, pour clore très rapidement cette magnifique exposition, c'est presque la réalité, c'est pour décembre 2009, c'est la maquette grandeur nature du futur transilien. Voilà, c'est ce que vont avoir les voyageurs de banlieue et de grande banlieue en Île-de-France. Donc, vous voyez, c'est très riche. 70 ans de SNCF. Entre la SNCF et l'art, ben nous avons fait un choix, nous avons choisi comme thème dans ce DVD, c'est le train fait son cinéma. Le train et le cinéma. Dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Premier film, le train, ou plutôt le making-of, c'est-à-dire le tournage du tournage. Vous allez voir un Michel Simon plus cheminot que nature. Je les ai connus, les cheminots français, en 1905. Et puis je les ai retrouvés en 44. En 44, et je les admire profondément et je les aime parce que c'était des héros touchants. Deuxième film, insolite, un clin d'œil historique. Savez-vous qu'il existait des trains présidentiels? Savez-vous qu'en France, il y avait un autorail présidentiel qui, fort heureusement, d'ailleurs, va être sauvé et restauré, hein, de Dietrich? Le général de Gaulle avait sa voiture présidentielle avec la table de travail et une chambre à coucher avec un lit de 2 mètres de long. Voiture qui est exposée à la Cité des Trains à Mulhouse. Donc,
le deuxième film est consacré au train et aux visites présidentielles. Quatre bonus. Le premier bonus, c'est le TGV Méditerranée habillé par la Croix. Et oui, il y avait une rame qui a été pelliculée, qui a été l'occasion d'ailleurs de découvrir eh bien, le nouveau design des sièges, des fauteuils Christian Lacroix. C'est parfois à se demander si M. Lacroix prend souvent le TGV. Deuxième bonus assez surprenant, c'est le cinéma au service de la recherche. Vous allez voir comment, par exemple, au moment où on avait mis en service le train sur deux, entre Paris et Strasbourg, eh bien, il a fallu étudier les pédales d'annonce des signaux et des passages à niveau. Eh bien oui, il fallait être sûr que les pneus déclenchaient bien les pédales. Et tout ceci grâce au cinéma et au ralenti. Troisième bonus, le train de Noël, ou plutôt la première émission de télévision en direct depuis le Paris-Lille. Et enfin, quatrième bonus, on retrouve là l'art et le train, ou plutôt un grand peintre du chemin de fer, Émile Schaeffer. Quelque part en France occupée. Non. Nous sommes en 1964 sur les lieux de tournage du film Le Train. Le train. Ce titre à lui seul laisse supposer que le chemin de fer sert de cadre à l'action. Un train est effectivement la vedette du film dont gare, dépôt et voie constituent le décor authentique. Mise en scène par John Frankenheimer et Bernard Farrell, ce film propose au spectateur une version romanesque d'événements réellement vécus et son interprétation réunit des comédiens anglais, américains et français. À l'occasion de la sortie du film, un train spécial a conduit sur les lieux de tournage les représentants de la presse et tous ceux qui, à des titres divers, ont participé à sa réalisation. Le populaire acteur Michel Simon s'est prêté de bonne grâce au petit jeu des questions et a confié ses impressions aux reporters. Les premières émotions de mon enfance, je les ai connues sur une locomotive. Mon oncle, Savoyard, conduisait des locomotives. Et puis, par la limite d'âge, il a postulé un emploi sur le petit chemin de fer qui monte au Mont-Revard, le petit funiculaire. Et de temps en temps, il me laissait conduire. C'est pourquoi j'ai accepté avec enthousiasme ce rôle de mécanicien qui m'a permis de me retrouver pendant plusieurs semaines dans ce qui m'a rappelé ma jeunesse. Les prises de vue ont presque toutes été réalisées dans les emprises du chemin de fer. Elles ont nécessité la mise en œuvre d'un matériel considérable et il est bien évident que ce grand film n'aurait pu être tourné sans l'accord de la SNCF et le concours de techniciens ferroviaires.
particulièrement précieux pour la mise au point de scènes aussi délicates que le tamponnement de deux locomotives, par exemple. Les séquences les plus spectaculaires sont celles qui exigent la préparation la plus minutieuse. Il n'est pas si simple d'organiser un déraillement ou un tamponnement. Les rails d'acier doivent être remplacés par des rails en tôle. Les wagons promis à la destruction soigneusement préparés. Les châssis préalablement découpés. Ah, 616, Q2e. Bien entendu, des mesures de sécurité très sévères s'imposent et grâce aux précautions prises, on eut à déplorer que la détérioration de quelques caméras au cours d'un déraillement. Le tournage en extérieur sur la SNCF eut lieu à la Glacière Gentilly, Argenteuil-Triage, Saint-Ouen-les-Docks, D'Argenville, Aquigny et Vert-Torcy. Durant plusieurs mois, une partie du dépôt de verre fut transformée en un véritable studio. C'est là que furent tournées les séquences de la première phase des explosions, où l'on peut voir Papa Boule, le vieux mécanicien que j'incarnais, échapper au bombardement avec son train. Yes, sir. Phase de départ, rapidement. Très rapidement. Moteur demandé. Train 520, F première. Action, travaillez. Move your engine! Get it out of here! Une partie de l'action menée par l'inspecteur Labiche, interprété par Burt Lancaster, se déroule dans un poste d'aiguillage qui a dû être reconstitué de toutes pièces par l'équipe de décoration du film. Quelques jours avant la scène capitale du bombardement, le dépôt de verre fut envahi par une nuée de techniciens, d'acteurs et de figurants. Les spécialistes s'affairèrent durant de longues heures, creusant des sapes et préparant des charges d'explosifs. Étant donné l'ampleur et l'importance de la scène qui devait être tournée sans pouvoir être recommencée, les opérateurs en nombre inhabituel s'installèrent un peu partout. Le résultat fut conforme en tout point aux espérances des réalisateurs. Ce faux bombardement fut une réussite parfaite. Mais cette deuxième phase, qui nécessita une mise en scène et des moyens énormes,
fut tourné dans le treillage désaffecté de Gargenville. Il n'était pas question de détruire le dépôt de verre que nous avons été heureux de retrouver lors du voyage organisé à l'occasion de la sortie du film. Que de souvenirs il a réveillé en moi. Je les ai connus, les cheminots français, en 1905, et puis je les ai retrouvés en 44. En 44, et je les admire profondément, et je les aime parce que c'était des héros touchants, touchants par leur humilité. Ils n'ont jamais attiré l'attention sur eux, ils n'ont jamais demandé à ce qu'on leur rende des hommages. Et je trouve que l'hommage qu'on leur rend aujourd'hui, quoique tardif, est mille fois mérité. Après 4 jours de voyage officiel dans le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne, le général de Gaulle, président de la République française, effectue à Dijon sa première visite d'installation ferroviaire le 19 avril 1959. Les commandes centralisées des sous-stations et du mouvement sont présentées au général, accompagné ici par M. le chanoine Kir, maire de Dijon, M. Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF, et M. Mermier, directeur de la région du Sud-Est. Le président de la République peut ainsi admirer l'une des plus remarquables applications ferroviaires de télécommande et télécontrôle. Le 26 septembre suivant, c'est à Lille que le président de la République est à nouveau l'hôte de la SNCF. Après un voyage de 4 jours dans le nord de la France, il va regagner Paris à bord de la voiture présidentielle incorporée dans le train spécial Lille-Paris. Lille-Paris, cette grande artère nouvellement électrifiée qui possède le matériel et les installations les plus modernes du réseau ferroviaire français. À Beaufort, le 19 novembre de la même année, le général de Gaulle, accompagné de messieurs les ministres Châtenay, Frey et Malraux, visite les usines Alstom qui, avec les usines Schneider du Creusot, sont l'un des principaux centres français pour la construction des locomotives électriques. Le président, sous la conduite de M. Glasser, président directeur général de la société Alstom, visite le hall de montage où sont assemblées les célèbres locomotives BB 16500 à courant monophasé industriel et les locomotives utilisant le même type de courant commandées à l'industrie française par de nombreux pays étrangers comme l'Inde, l'URSS et la Chine. Plus tard, le 21 novembre 1959,
c'est la petite sous-préfecture alsacienne d'Erstein qui a l'honneur d'accueillir le chef de l'État. Toute la ville, maire en tête, fait fête à son hôte illustre. Erstein ne peut manquer d'évoquer dans la mémoire du général de Gaulle un souvenir émouvant. C'est ici que 15 ans plus tôt, le 24 décembre 1944, le général de Gaulle, rentrant de Moscou et que l'on attendait à Paris, assista à la messe de minuit, qui fut célébrée à 18h, alors que nos troupes se battaient à quelques kilomètres de la ville qu'elle venait de libérer. Le général quitte ensuite Erstein par autorail spécial pour Wissembourg. Il terminera cette journée en reliant par la route Wissembourg à Strasbourg qui s'est revêtue de lumière pour accueillir le chef de l'État. Le lendemain, 22 novembre 1959, après une matinée consacrée au souvenir de la libération de la capitale alsacienne, le général de Gaulle est accueilli en gare par M. Max Martin, chef de l'exploitation de la région Est. Accompagné du président Flimelin, le président de la République pénètre dans la gare où il va reprendre place à bord de la rame diesel à grand parcours. Sur le chemin de retour vers Paris, le général s'arrête à Saverne, où une fois encore la foule alsacienne manifeste ses chaleureux sentiments aux libérateurs de la patrie. Le soir même, le général de Gaulle regagnait Paris après quatre journées bien remplies dans les provinces de l'Est où, une fois de plus, le chef de l'État s'était employé par son prestige et sa foi communicative à souder plus fortement l'unité nationale. C'est un autre voyageur de marque, le général Eisenhower, président des États-Unis, que la SNCF va cette fois-ci avoir l'honneur de transporter sur ses lignes. À Toulon, le 18 décembre 1959, le président vient de débarquer du porte-avions Des Moines après un voyage de 25 000 km à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Accompagné de M. Jacquinot, ministre d'État, et de son fidèle interprète, le président Eisenhower est accueilli en gare de Toulon par M. Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF.
Assailli par les journalistes et les photographes, il prend place dans le train spécial que va remorquer jusqu'en gare d'Avignon cette 241P à la décoration chatoyante. Trois voitures du type le plus moderne avaient été réservées dans le train aux journalistes de la suite présidentielle qui mettront à profit ce voyage confortable pour rédiger leur reportage. La télévision était elle aussi présente et renouvellera à cette occasion l'exploit réalisé le 17 janvier de la même année entre Lille et Paris en donnant une émission en direct du train présidentiel entre Melun et Paris. Dans la voiture présidentielle mise à sa disposition par le général de Gaulle, le président Eisenhower confère avec son secrétaire d'État, M. Herter, et quelques collaborateurs. Chez les journalistes, c'est maintenant l'heure de la détente. En Avignon, la présence des caténaires dans le ciel de la gare signifie son congé à la locomotive à vapeur, bientôt relayée par une magnifique BB 9200 électrique, aussi savamment décorée que celle qui l'a précédée. Alors que M. Robert Murphy, sous-secrétaire d'État, et M. Houghton, ambassadeur des États-Unis à Paris, conversent avec M. Segala, le voyage reprend dans l'euphorie d'un dîner soigné qui contribue à la qualité de l'accueil ferroviaire, accueil auquel le président, sa suite et les journalistes seront unanimes à rendre hommage à leur arrivée à Paris. Le train officiel aborde la capitale où, au milieu d'une haie d'honneur, le général de Gaulle, accompagné du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, est venu accueillir son visiteur illustre. Dans la gare de Gevrey, le 28 mars 1960, M. Segala reçoit au nom de la SNCF un autre grand voyageur, M. Khrouchtchev, accompagné de M. Buron, ministre des Transports. Le cortège gagne le poste A, où M. Mermier, directeur de la région du Sud-Est, explique au chef d'État soviétique le mécanisme de débranchement. Le combinateur à billes, cœur du triage, remarquable invention française, est ensuite présenté à M. Khrouchtchev en présence de M. Robert Lévy, directeur honoraire des installations fixes et inventeur de l'appareil. Le travail de triage n'est pas interrompu par la présence de l'illustre visiteur qui peut ainsi saisir en pleine vie l'un des principaux centres du trafic marchandises de la SNCF. Monsieur Khrouchtchev se dirige ensuite vers quatre locomotives électriques alignées en ordre impeccable, deux françaises et deux soviétiques construites par l'industrie française. Là encore, la télévision assure un reportage en direct. Monsieur Nouvion, chef de la division des études de traction électrique de la SNCF, expose rapidement à Monsieur Khrouchtchev les progrès de la traction électrique en France, puis présente deux locomotives françaises, la BB 9004 et la CC 7147, détentrices du record du monde de vitesse sur rail, 331 km/h. Thank you.
Avec difficulté, mais avec le sourire, M. Khrouchtchev termine sa visite par les deux locomotives soviétiques qui bientôt sillonneront le transsibérien par des températures oscillant entre moins 50 degrés et plus 40 degrés centigrades. Les constructeurs français offrent à M. Khrouchtchev, en souvenir de sa visite et à l'intention de ses petits-enfants, un train miniature avec des locomotives en modèle réduit, des deux types commandés par l'Union soviétique. Cette brève visite terminée, M. Khrouchtchev, accompagné de M. Jox, ministre de l'Éducation nationale, se dirige vers une nouvelle étape, Dijon. Le lendemain, 29 mars, c'est comme voyageur que M. Khrouchtchev reprend contact avec la SNCF en gare de Reims. Le président soviétique et sa suite vont prendre place dans la voiture présidentielle qui les mènera jusqu'à Lille. Le train spécial tiré par une Pacifique du dépôt de Ternier démarre en direction de Douai, où cette fois encore l'électricité relaiera la vapeur. Remorqué par une BB 16000, le chef du gouvernement soviétique arrive dans la capitale des Flandres. Après une nuit passée à Lille, il en repart le 30 mars pour Rouen. Accompagné de M. Jeannet, ministre de l'Industrie, il est accueilli à son arrivée à la gare par M. Darjou, directeur général de la SNCF, qui l'accompagne jusqu'à la voiture présidentielle. Le train quitte bientôt l'importante cité du Nord pour rallier la riante Normandie. Les lignes modernes tracées dans le ciel par les caténaires et les grands immeubles servent de décor au repas que M. Khrouchtchev et sa suite prennent dans le wagon-restaurant, tandis que les journalistes déjeunent à leur place dans les voitures les plus modernes de la SNCF. Alors qu'après Corby, l'attraction vapeur a repris ses droits, M. Khrouchtchev surgit inopinément dans une des voitures mises à la disposition des journalistes et tient une conférence de presse improvisée. En quelques minutes, le contenu du train spécial est aggloméré autour de M. Khrouchtchev, ce qui provoque quelques scènes pittoresques. Quelques temps encore, et cercle franchi, ce sera bientôt l'arrivée dans la capitale de la Haute-Normandie, Rouen.
Et c'est à Rouen que nos hôtes soviétiques, au terme de leur voyage ferroviaire, ont quitté ce train devenu familier pour une courte visite dans la ville-musée. Motrices électriques, machines à vapeur, rames automotrices diesel, toutes brillamment pavoisées, c'est toute la gamme de ces meilleurs engins que la SNCF a mis à la disposition de ses hôtes de marque. Vitesse, confort, accueil, les plus grands chefs d'État ont pu chacun à leur tour apprécier la qualité des services de la SNCF. De 300 mètres de long quand même. C'est cette voiture-là. En fait, le quai par contre arrive plus haut, c'est ça. Le quai est là. Hein. Je pense que c'est un choix qui a vraiment du sens pour nous. Parce que Christian Lacroix, c'est encore une fois le sud et la modernité. C'est un petit-fils de cheminot, donc il a quelques racines qui sont communes avec nous. Et je pense que tout cela, ça symbolise très très bien ce que va être le TGV Méditerranée, c'est-à-dire ce lien entre le sud et l'Europe, le sud de la France et l'Europe tout entière. J'aime pas les projets qui sont un petit peu, certaines fois on vous dit, bon, décorer, ça veut dire simplement mettre une cerise sur un gâteau qui existe déjà, ou intervenir d'une manière artificielle. Et là, dès le départ, moi j'ai accepté avec beaucoup de gratitude, de joie, même d'émotion par rapport à ces ascendances là, avec la connexion avec des cheminots. Et je sentais là la logique, la cohérence et la légitimité. Sinon moi je ne sais pas travailler. Si on veut quelque chose de joli, il faut vraiment faire très attention. Au départ, la personne qui a conçu ce projet, si à la fin c'est mal posé, ça gâche tout en fait. Voilà, bon, non. Dégradé de couleur qui évoquera un peu entre la fusée de feu d'artifice ou en tout cas l'idée que le train très 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 vite va dans la chaleur et tous les wagons qui sont vers le nord, enfin les voitures pardon,
seront plus froids. Okay, il a le vocabulaire. Moi, j'interviens sur l'apparence des choses, en essayant de leur donner un tout petit peu, bon, pas de sens, ça serait prétentieux. Je suis là pour donner ma version des choses. Bon, sans l'idée de voyage, je serais incapable de travailler. Donc, sans l'idée du Sud, et je voyage beaucoup plus dans l'imaginaire que physiquement. Mais dès que je me promène, je ramène toujours des textiles, des vêtements, des broderies. Et c'est cette collection-là que j'ai utilisée pour donner à ce train qui est un magnifique, c'est pas un objet si on peut dire ça quand même. Quoique Talon a fait quelque chose de fuselé, impeccable. Moi j'arrive un peu avec mes décalcomanies là-dessus, mais c'est simplement pour avoir cette idée un peu plus ludique et puis exprimer ce que ce train veut dire, aller à très grande vitesse vers le Sud. Pour la SNCF, le TGV Méditerranée. Depuis 4 ou 5 ans, on n'avait pas ouvert de ligne nouvelle à grande vitesse. Des millions de personnes l'attendent. Depuis 10 ans, il y a un travail considérable. On a vraiment envie de fêter ça. Ce qui est important là-dedans, c'est comment les clients vont ressentir cette initiative. Est-ce qu'ils vont trouver au fond qu'avoir un train décoré, c'est une bonne idée? En fait, c'est l'alliance de deux grands talents, parce que le TGV, c'est un talent français extraordinaire, c'est une réussite unique au monde. Et puis, Christian Lacroix, c'est un très très grand nom de la couture française, donc ça ne peut être que beau et positif. Très 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 belle initiative qui, je pense, ajoutera un cachet de beauté, de noblesse à vos rames. C'était absolument superbe ce matin, comment on est arrivé. Malheureusement, d'après ce que je sais, il n'y en aura qu'un exemplaire. Ce que ça fait surtout pour nous, c'est que c'est un cadeau qu'on avait envie de donner aux clients et aux Français, et qui veut dire que dans un an, il y a un événement très important qui se produit, qui va rapprocher les gens, rapprocher les régions, et on avait envie de le fêter. Paris-Marseille, en 3 heures, à mon avis, les avions, ils ont qu'à bien se tenir. Il vaut mieux prendre le TGV que de prendre l'avion, enfin, ça va 3 fois plus vite. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas on arrive. C'est une des raisons pour laquelle je vais vivre à Avignon. C'est parce que je peux me déplacer en TGV en 2h40 et travailler à Paris. La gare se trouve dans une ville alors qu'à l'aéroport, on est obligé d'aller à l'aéroport. On perd beaucoup plus de temps et c'est vrai que le TGV, c'est un moyen de transport qui devient de plus en plus agréable. Je pense vraiment utiliser cette liaison très très fréquemment, d'autant que je me sens très très à l'aise en train de façon générale. Donc je serai des vôtres certainement à partir du 10 juin, d'après ce que j'ai compris. Est devenu pour la SNCF un précieux auxiliaire. C'est un moyen d'investigation sûr et les prises de vue au ralenti, le plus souvent employées au cours d'essais, peuvent révéler la solution de problèmes bien souvent posés.
Le film, une fois enregistré, peut être projeté et examiné image par image. On a aussi la possibilité d'agrandir photographiquement chacune d'elles. Il est évident qu'une des caractéristiques de notre époque est la vitesse. Il faut aller vite, toujours plus vite, sans pour cela oublier, surtout en matière de chemin de fer, la sécurité et la ponctualité. Le problème consiste ici à déterminer la loi des vibrations d'une caténaire avant, pendant et après le passage d'un train et corrélativement de mesurer le soulèvement maximum des conducteurs sous l'action du ou des pantographes de l'organe moteur. Une caméra de ralenti est installée à hauteur du fil de contact. Une mire graduée est placée en arrière de la caténaire et à l'opposé de la caméra. La hauteur a été réglée de telle façon qu'au repos, l'image du fil étudié donnée par l'appareil de prise de vue coïncide avec le zéro de la mire. Le train d'essai arrive à 160 km à l'heure. L'appareil de prise de vue est mis en marche, 240 images à la seconde. L'enregistrement au ralenti montre nettement le soulèvement de la caténaire. L'analyse du film, dont on connaît le temps séparant deux images consécutives, permet par projection image par image de déterminer la courbe des variations de hauteur du conducteur en fonction du temps, compte tenu des distances respectives entre la caméra, la caténaire et la mire. Un autre mode d'investigation permet l'inspection sur une bande graphique des mouvements de la caténaire. Un second passage du train d'essai va être enregistré dans les mêmes conditions par la caméra. Curieux et étonné par la vitesse du train, un avion descend pour mieux voir son terrestre concurrent et l'antique lanterne du passage à niveau rêve au bolide de son jeune âge. Ici, il s'agit de reproduire la forme que prend une caténaire dans une de ses portées au moment du passage d'un ou deux pantographes. Quatre caméras sont disposées en face de quatre mires, divisant la portée en tronçons égaux de 10,80 m. Les appareils utilisés cette fois tourneront à la vitesse normale, c'est-à-dire 24 images à la seconde. Comme précédemment, les mires sont fixées sur des poteaux implantés à 1,60 m du rail et leur plan rigoureusement perpendiculaire à l'axe de prise de vue. On procède ensuite à la mise au point et au réglage de la hauteur des mires afin d'amener dans le cadre de l'image leur zéro au niveau des fils de contact de la caténaire. Afin d'éviter toute erreur, les mires ont été immatriculées de 1 à 4 et portent le numéro du train régulier qui va cette fois servir à cette expérience. Le train arrive, un signal, on tourne. Il roule à 120 km/h et passe successivement devant les quatre caméras qui fidèlement enregistrent les mouvements de la caténaire, oscillant sous l'action des deux pantographes en prise. L'examen des films obtenus a permis de reproduire très exactement la forme du fil de contact au passage des pantographes. Le cinéma au ralenti a prouvé ici encore son indiscutable utilité du point de vue des recherches techniques. Lors des premiers essais des voitures métalliques sur pneus, qui depuis décembre 1948 composent régulièrement le rapide Paris-Strasbourg, on s'aperçut que certaines pédales de signalisation étaient détériorées par les frotteurs métalliques nécessaires pour établir le court-circuitage d'un rail à l'autre, indispensable à la commande des signaux.
différents types de pédales furent disposés le long des rails et examinés pendant le passage de la voiture par l'œil impitoyable de la caméra. Tractée ou poussée par un autorail, la voiture d'essai va passer sur chacune des pédales mises successivement en service et son comportement minutieusement observé au passage. L'appareil l'a fixé sur la pellicule. Le ralenti le révélera maintenant autant de fois qu'il sera nécessaire et ces images ont servi aux techniciens qui les ont examinées vue par vue. Elles leur ont permis d'apporter toutes les modifications nécessaires afin d'éviter dorénavant la détérioration de ce matériel qui, après avoir subi de nouveaux essais devant la caméra, a donné cette fois toute satisfaction. Les essais qui vont être réalisés sur cette voiture métallique ont pour but de mesurer les fatigues et déformations sous l'effet des charges verticales telles qu'elles agissent en service. Les contraintes du métal sont mesurées par des extensomètres à fil résistant. La charge est exercée par de l'air comprimé, agissant dans 24 cylindres dont chacun d'eux déploie une pression d'une tonne. Répartis sur le sol de la voiture, ils prennent appui à leur partie supérieure sur de grands balanciers, traversant la voiture de part en part par les baies et reliés par des tenants articulés à des blocs de lestage posés sur le sol. Sous l'effet de la contrainte mécanique, la matière et par suite le fil résistant subit un petit allongement relatif ou contraction qui se traduit par une variation de sa résistance électrique et qui est détectée et amplifiée par des appareils enregistreurs qui permettent l'inscription automatique des contraintes mesurées. Les résultats satisfaisants de ces essais ont permis d'apporter en cours de construction des modifications locales destinées à améliorer encore la tenue du matériel et la sécurité. Afin d'acheminer vers leur lieu de destination les grandes barres de rails soudées de 72 mètres de longueur utilisées à l'intérieur des souterrains, on a procédé à des essais de transport. Il a été remarqué lors du premier essai, où les barres avaient été simplement posées sur les wagons, que dans les courbes, certaines d'entre elles se sont couchées et, en d'autres endroits du parcours, sans raison apparente, ont exécuté de véritables sauts de carpe. Ce premier transport, en procédant au déchargement des rails, on s'aperçut que certaines modifications devraient être apportées dans la technique de cette opération, qui malgré tout ne s'avéra pas trop mal réussie pour un premier essai.
instruit par l'expérience du premier transport et afin de remédier aux inconvénients remarqués, les rails posés à plat sont maintenus aux champignons par des crémaillères de fixation. Docilement, épousant les méandres de la voie dont certaines courbes accusent 170 mètres de rayon, les rails serpentent harmonieusement. Un matériel de déchargement spécialement étudié permet cette fois de réaliser cette opération dans un minimum de temps avec un maximum de sécurité. Voyage d'essai a été tout à fait favorable et concluant, et il semble maintenant que de tels transports puissent passer du domaine de l'étude à la réalisation pratique. Noël, c'est pour les enfants, mais également pour les plus âgés, l'époque du merveilleux. Pour sa grande émission du 24 décembre 1960, la télévision française avait fait appel à ce merveilleux en organisant, avec le concours de la SNCF, un spectacle télévisé dans un train spécial entre Lille et Paris. À vous, les majorettes! Jean Nohain, en mécanicien pour l'occasion, était le grand maître de l'émission. Nous avons notre chef contrôleur. Je suis l'inspecteur Souplex, avec les joyeux rossignols. Nous avons notre chef de cuisine du wagon-restaurant, Pierre Doris. Nous avons le marchand de victuailles ambulant, Jean Lefebvre. Nous avons notre marchand d'oreiller couverture, Rosalie Dubois. Nous avons les voyageurs. Nous avons le paysan, qu'on trouve toujours dans les trains, même dans les trains magiques, Jacques Courtois et son canard. En route, c'est un musical roulant qui s'élance pour 258 km de spectacle. Comme dans un théâtre, les coulisses ont leur mystère. Dans les loges, on rencontre habilleuses et maquilleuses au travail. Arras, première étape. Une foule nombreuse s'est déplacée pour admirer le train de Noël, dont le nom, tel celui d'un conte, fait rêver. Thank you.
Retransmettre l'image télévisée d'un train en marche présentait quelques difficultés et posait pour les techniciens des problèmes nouveaux. Une antenne fixée sur une voiture adressait son message à un hélicoptère relais. Dans le train en marche, les marionnettes s'animent. L'hélicoptère en vol joue son rôle de miroir pour qu'au même instant, studio puis téléspectateurs dans leur fauteuil reçoivent ce spectacle mouvant. Le téléphone qui est en service normal sur les trains de la ligne Paris-Lille est mis à contribution pour l'émission. Jean Nain entre en communication avec les studios de Paris pendant que les téléspectateurs écoutent la conversation et reçoivent simultanément sur l'écran l'image de chacun des deux interlocuteurs. Moi, je vous entends très bien, Jean Nain. C'est Marianne Fenn. Dans un instant. Et le spectacle continue. Les caméras du train vont être relayées par celles placées sur le quai d'arrivée. Et je pense que le train va arriver pendant nous ce temps-là. Nous allons faire de notre mieux. Il n'y a jamais de retard à la SNCF. Catherine Langeais, hôtesse de la gare du Nord pour quelques instants, est venue accueillir le train de Noël. Notre charmante speakerine groupe les deux conducteurs, le cheminot et Jean Nain, dans une interview animée. Cette réunion est le symbole de la parfaite collaboration qui, au cours de cette journée, a existé entre la RTF et la SNCF pour la réalisation de ce programme exceptionnel. Et le spectacle quitte le train pour s'installer en gare du Nord pendant que Paris se prépare pour un joyeux réveillon.